Bonjour, c'est Le Tout Pense. Ça fait 16 ans que je travaille chez Alpina Savoie en tant qu'acheteur de matières premières. Alpina Savoie travaille avec des agriculteurs français depuis très longue génération, depuis que le blé dur est arrivé en France d'ailleurs. Le travail de proximité avec les agriculteurs nous a permis de mettre en place une démarche unique, ce cahier des charges de la filière Alpina Savoie. Nous l'avons construit sur 4 points, donc du local, de l'éthique, du durable et du blé de haute qualité. Sur la partie locale, nous travaillons avec une cinquantaine d'agriculteurs qui sont d'origine France. Une grosse partie répartie dans le sud-est et une partie dans le sud-ouest. Nous avons fait le choix de ne pas travailler avec des blés d'importation, car en France, aujourd'hui, il y a suffisamment de blé dur français pour pouvoir travailler dans l'industrie. Sur la partie éthique, nous avons construit ce cahier des charges de façon à ce que tout le monde gagne sa vie. Nous garantissons un revenu aux agriculteurs. Sur la partie durable, nous avons choisi de mettre quelques contraintes pour pouvoir assurer un produit de haute qualité. C'est-à-dire que nous ne souhaitons pas que le blé dur soit produit de façon intensive. Nous souhaitons aussi que l'environnement soit préservé, c'est-à-dire que les agriculteurs n'apportent pas d'engrais inutilement, n'apportent pas d'intrants inutilement. Proposer des pâtes de haute qualité, locales, éthiques et respectueuses de l'environnement n'est pas possible tout seul. C'est pour ça que nous travaillons en équipe avec nos fournisseurs, les organismes stockeurs et les agriculteurs. Finalement, chez Alpina, on peut dire que nos pâtes ont le bon goût de nos valeurs.